Yo les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre ami et serviteur, très humble, Héritor. J'espère que mes abonnés vont très très bien parce que moi je pète la forme. Dieu fait grâce. Voilà. Je vais superbement bien. Je fais comme ça un spécial big up à Thierry Zo. Voilà, je vais vous donner une petite information avant de commencer le sujet de la vidéo. Big up à mon pro. À mon pro et ami personnel, Bino, depuis la Belgique. Vraiment mon frère Bino, salutations personnelles. Personnel. Salutations à toi. Gros big up. Big up à mon père à moi. Mon père à moi. Monsieur Patrice depuis l'Estate. Famille, on parlera du concert de Soumil. Oui, il y a eu des choses après le concert. On va en parler tout à l'heure après la vidéo. Générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. De Boucher, Black Song. Et les fleurs s'enfuient, partis chercher la vie, oh, elle prie pour lui. Hey, elle pense à lui. Putain, faut qu'il réussisse, oh, elle prie pour lui. Hey. Ça fait longtemps déjà qu'il est parti. Depuis le jour où King Sindovi, hey. Si t'as crois qu'il est dans les problèmes, il voulait offrir un meilleur avenir. Bon retour les amis, je parie que beaucoup d'entre vous ont remarqué ce somptueux cadre. C'est le royaume d'Héritor, le bois d'Agile. C'est situé à Djibi 1. Voilà. La cité Djibi, derrière la résidence Coriette. Vous demandez le bois d'Agile. C'est même pas loin, voilà, c'est juste derrière la pharmacie Djibi. Voilà, venez découvrir le lieu, voilà, c'est très original, c'est très joli. Voilà, c'est un endroit vraiment, vraiment très convivial, voilà. Cependant, on parle de quoi? Thierry Zo, voilà, c'est vrai qu'on parle du concert historique de Soumil qui a failli mal se passer. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai envie de vous dire quelque chose. En fait, j'ai eu une idée. C'est bien beau, nous sommes tous des vidéomans, des youtubeurs. Mais Thierry Zo, c'est en plus d'être youtubeur, pour ne pas dire vidéo monde, c'est un mec qui est le porte-voix du mouvement Zigei. Voilà, c'est un mouvement qui a fait son temps, comme vous voyez le coupé décalé aujourd'hui, qui a vraiment moussé avec les RAS, en tout cas plein de noms, même la maman Tina, tout ça, elle a fait partie du mouvement Zigei. Et malheureusement, ce mouvement-là était en train de mourir, vous voyez un peu. Et Thierry Zo, c'est vrai que c'est un ami, mais j'ai envie bien de le découvrir, j'ai envie bien de comprendre comment il fonctionne, c'est quoi sa motivation, pourquoi vouloir revenir au mouvement Zigei. On va faire une interview et je vais le faire avec presque tous les youtubeurs que vous connaissez. Donc soyez branchés en attendant que le matos arrive. En fait, d'une manière, vous allez voir comment ça sera joli. Ne vous inquiétez même pas. Voilà, c'est Héritor, ça ne chauffe pas. Et puis sachez que l'interview ne sera pas biaisée. Voilà, parce que je vais le faire avec tout le monde comme je le dis. C'est-à-dire, dans chacune de mes vidéos, vous aurez forcément une capsule où on parle d'un youtubeur, où on essaie de le découvrir. Par exemple, Thierry Zo, je vais lui demander, ah mec, c'est vrai que t'es Zigué, mais t'as pas dit que c'est ton histoire des Zigué qui t'a donné 3 voitures. C'est vrai que tu es une très belle femme que beaucoup ne connaissent pas, mais je comprends pas. Il y a beaucoup de questions comme ça que j'ai envie de te poser, voilà. Et c'est quelqu'un qui est vraiment encouragé. Il avait sorti le Oyas, il faut aller télécharger les amis, c'est 500 francs seulement, voilà. Quand vous téléchargez un son, franchement, c'est le moment Zigué que vous relancez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très serviable, très sociable aussi. Thierry Zo que vous connaissez là, tout ce que vous voyez là, c'est vrai qu'il est Zigué, il est très rapide dans ses azen, mais il a beaucoup d'amour pour son prochain et il a un grand cœur, voilà. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis que cette interview ne sera pas baisée, parce que les questions seront directes et très franches, voilà. Donc c'était ça la capsule Thierry Zo. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Soumil quoi. Comme je vous disais, franchement, c'est pas pour faire polémique, voilà, parce que moi, bizarrement, je parle pas, mais quand j'ouvre la bouche, ça fait toujours tache d'huile, on interprète ça autrement. S'il vous plaît, je vous demande pardon, voilà, moi, je suis plus à ce niveau-là. Moi, je suis un promoteur de la musique ivoirienne et africaine, donc comprenez-moi, chacun a son approche, chacun a sa stratégie. À mon humble avis, franchement, c'est vrai qu'il y a eu des concerts Zouglou, mais le concert Zouglou qui a le plus drainé de monde, c'est incontestablement le concert de Soumil.
Moi-même, il m'a sévèrement, incroyablement étonné. J'étais épaté. Je n'ai rien compris. Oh, il n'a pas fait trop grand bruit autour de la publicité de son concert. Hein. Il a annoncé que des petits spots, un peu les affiches, 12 mètres carrés, tranquille. Mais Natis vous a rempli l'Oiseau Live. L'Oiseau Live, pour ceux qui connaissent l'Oiseau Live, ce n'est pas la 4000 places de la salle Mambo. Je parle de l'espace de l'Oiseau Live qui refusait du monde. Je ne parle pas d'un concert coupé, décalé. Je ne parle pas de ça. Mais franchement, c'est vrai, il y a eu des concerts. Davido a fait son concert, Booba a fait son concert, Lafine a fait son concert, Caris a fait son concert. Mais moi, je pense que Soumis les a mis tous au pas. Je vous explique pourquoi. Tellement ce concert a fait historique, il a failli mal se terminer. Pendant que Soumis est en train de faire le show avec ses fans à l'Oiseau Live, pour ceux qui étaient là-bas, hein, ils vont vous dire, oh, le double du monde de l'Oiseau Live était encore dehors. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de tickets vendus que de places. C'était incroyable. Et puis je profite comme ça pour dire à toutes ces personnes qui n'ont pas pu assister au concert, c'est pas la faute de Soumil. Franchement, c'est vraiment pas sa faute. Vous savez, dans le moment des concerts, il y a des revendeurs. Et puis il y a des margouillards. Quand je parle des margouillards, c'est des gens qui trafiquent des billets. Pour ne pas dire des tickets de concert et les vendre. Ou bien soit, oh, ils ont fait un stock plus que ce qu'ils devaient recevoir le concert de Soumil. Vous comprenez un peu, non? Donc, ils ont vendu et ils ont compris qu'il n'y avait plus de place. Parce que si on voulait faire rentrer tout ce monde qui était dehors là, ça allait être un désordre. Parce que mine de rien, Soumil vous a réuni. Jean-Louis Billon. Voilà. On parle pas des voleurs, on parle pas de qui que ce soit, on parle pas des à côté. Quand on dit quelqu'un gagne son argent clair, le plus riche là, c'est Jean-Louis Billon. C'est pas nous, on le dit, ce sont les magazines qui le disent. Il était au conseil de Soumbil. L'honorable Yasmine Ouyé était au conseil de Soumbil. Adama Bitogo, le ministre Adama Bitogo, était au conseil de Soumbil. Que des VIP lourds de chez lourds, des personnes même qui sont pas trop chauds. Qui ont participé à cette fête là, ça a failli dégénérer, hein? Ça a failli dégénérer sans vous mentir, même parce qu'il y avait du monde comme c'est pas possible. Parce que on me dira que et le concert de Molière, je reconnais que chose Molière a fait salle comble, vous n'avez pas dit espace comble. Si je dis que je ne le reconnais pas, je mens. Mais, sans vous mentir, sans vouloir frustrer un quelconque artiste, demandez à ceux qui étaient au Palais de la Culture, ils vont témoigner. Le monde que Soumil a réuni le jour de son concert, on n'a jamais vu ça au Palais de la Culture, jamais de la vie. Est-ce qu'il n'a pas rempli 30 000 personnes? Je pense qu'il a réuni au moins 30 000 personnes, hein, les amis. Sans vous mentir, même, il a réuni au moins 30 000 personnes. 30 000 personnes, les amis. Il y avait du monde, les amis. Ça se plaignait au portail du Palais de la Culture. Ça se plaignait de ouf. Pourquoi ils n'ont pas assisté au concert de leur artiste? Pourquoi? On les a blagués, ils ont pris leur argent et ils n'assistent pas au concert de leur artiste. Il y a eu beaucoup de bousculades dans l'entrée du Palais de la Culture à cause de ce problème, tellement il y avait du monde. Mais Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre et ce fut un très 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 beau spectacle, une très belle fête. Franchement, Soumil, respect. Tu as mis tous les artistes ivoiriens au respect. Il n'est pas trop présent sur les réseaux sociaux. Il n'est pas trop bavard. Mais quand on dit quand tu es aimé et il a démontré. J'ai pas envie de dire que c'est l'artiste Zougou le plus populaire, mais franchement, le mec, il est vraiment, vraiment aimé. Parce que moi, je m'attendais pas à ce monde-là. Je sais que lui-même, peut-être, il était étonné. L'Oiseau Live. Est-ce que vous connaissez l'espace de l'Oiseau Live? Il vous l'a rempli comme du n'importe quoi. Le coin était
bondé de monde. Franchement, Dieu merci, tout s'est bien terminé, quoi. Tout s'est bien terminé. Mais c'était chaud dehors. Voilà, pour ceux qui savent, ils savent très bien qu'ils étaient en train de dire la vérité. C'était vraiment chaud dehors. Et franchement, j'envoie toutes mes félicitations à l'artiste Soumbil et beaucoup de courage à lui. Que Dieu vous bénisse, c'était Irritant. Partagez la vidéo, on est ensemble. Ciao, ciao.